Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine d'Elinoucha. J'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec un dessert facile, une mousse au citron, idéal pour finir un repas très rafraîchissante, découvrant la recette ensemble. On va commencer par presser le citron. Une fois qu'on a récupéré le jus, on va rajouter par-dessus du sucre roux et du fécule de maïs. On va préparer comme une béchamel, une petite sauce avec. On va bien mélanger dans un premier temps à froid avant de remettre le tout sur un feu moyen et mélanger jusqu'à obtention d'une bonne consistance. Alors j'ai mélangé pendant 5 petites minutes. Voilà, dès que la liaison se fait, c'est que la sauce est maintenant prête. On va la ôter du feu et on va par la suite continuer la recette. On va rajouter du beurre, noisette de beurre, ainsi que du viande d'œuf et on va mélanger rapidement. À cette étape-là, il faut être rapide. Alors, on va transvaser par la suite la crème dans un récipient. On va la laisser au frais, le temps de préparer par la suite une chantilly. Et avec du mascarpone pour qu'elle soit bien ferme. Alors, mascarpone frais, le bocal est frais. Ainsi, qu'on va rajouter par la suite du sucre glace. Et on va la monter. Vous pouvez la parfumer avec ce que vous aimez. Moi, je vais laisser que le citron. Alors, une fois qu'on a bien monté le mascarpone avec le sucre glace en chantilly, on va lui incorporer la crème de citron et on va par la suite mélanger. Crème bien aérienne, on va par la suite la transvaser dans une poche à douille pour faire une décoration jolie. Ça facilite après pour la verser dans des verrines ou des petits verres. Voilà, moi j'utilise des poches à douille jetables. Et on va par la suite remplir les verres. Alors vous pouvez me faire un petit fond biscuité. Moi je préfère l'avoir comme ça. J'adore la petite mousse au citron. On la range au frais pendant au moins 4 heures. Alors sortie du réfrigérateur, vous pouvez la décorer avec ce que vous aimez. Moi j'ai mis un petit brin de menthe. Ça se marie très très bien avec. Elle est vraiment délicieuse, croyez-moi. L'essayer, c'est l'adopter. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.